Christophe Biteau cultive 30 hectares de vergers bio au sud de Rennes, des pommes qu'il transforme en cidre. Mais en 2016, l'arboriculteur a eu une bien mauvaise surprise. Lors d'un contrôle inopiné, des traces de prosulfocarbe ont été décelées sur ses fruits. Cet herbicide très volatile est pourtant interdit dans la culture des pommes, en bio comme en conventionnel. C'est un produit utilisé en désherbage de céréales, et c'est ça qui a prouvé ma bonne foi, c'est qu'il ne pouvait pas émaner de mes cultures puisque je ne fais pas de céréales. Conséquence ? La suppression d'un certificat bio qu'on met quand même dans le cadre de l'arboriculture 5 ans à voir, quoi, c'est pas qu'une petite blague. Une perte de débouchés puisque mes contrats et mes clients attendent de la pomme bio et pas de la pomme conventionnelle traitée aux pesticides. Et ça peut être une conséquence mortelle pour une entreprise, quoi, c'est très clair. Depuis 3 ans, le prosulfocarbe fait partie des produits phytosanitaires les plus vendus, notamment en Bretagne. En 2017 et 2018, la Fédération nationale des producteurs de cidre a donc réalisé une étude auprès de producteurs volontaires. Elle a révélé que 3/4 des lots de pommes présentaient des traces de prosulfocarbe. Des doses jugées sans danger pour la santé, mais qui ont tout de même obligé l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, à revoir l'an passé les conditions d'utilisation de l'herbicide. Les champs situés à moins de 500 mètres, voire à moins d'un kilomètre de cultures non cibles, fruits, légumes ou plantes aromatiques, ne doivent pas être traités avant récolte ou alors selon des règles strictes. Des mesures jugées insuffisantes par certains parlementaires qui ont à plusieurs reprises interpellé le ministre de l'Agriculture. Les mesures préconisées par l'ANSES ne suffisent pas. Alors il y a un moment où les législateurs que nous sommes disent il faut prendre des mesures pour interdire. En Bretagne, la Fédération régionale des agriculteurs bio demande elle aussi l'interdiction du prosulfocarbe et en attendant, elle s'organise. Pascale Doucineau, productrice de pommes dans les Côtes d'Armor, a choisi d'envoyer un courrier à ses voisins agriculteurs pour leur demander de ne pas traiter leurs champs avant la fin de sa cueillette. On a eu des bons retours. Je pense que l'ensemble de la profession agricole est inquiète de ce genre de contamination éventuelle parce qu'ils utilisent leurs produits pour leur culture et pas pour que ça aille ailleurs sur des cultures non cibles. Le souci, c'est la molécule en elle-même parce qu'on n'a pas du tout confiance dans cette molécule. Sa volatilité fait que la contamination est possible. Je pense que le combat il risque d'être long, mais de toute façon, quelque part, pour nous, il n'y a pas le choix. Après le glyphosate, le prosulfocarbe pourrait donc bien être un nouveau caillou dans la chaussure du gouvernement qui vient de s'engager à imposer des zones de non-traitement et à interdire l'épandage des produits phytosanitaires si aucun accord n'était trouvé entre élus, riverains et agriculteurs.